Amis auditeurs, membres de la grande famille du ministère de délivrance, bien-aimés dans le Seigneur, nous sentons contents dans jeudi matin, bien bonheur ça pour nous avec vous, peut-être même qui va regarder la vidéo à la souhait. Nous disons que toute la gloire vous soit multipliée par le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, avant de nous entrer dans le leçon 13 là, n'en fermez les genoux pour nous capables de prier le Seigneur. Céleste Père béni, merci parce que tu nous as vraiment manifesté ton amour à l'égard de nous. Tu nous as protégés et tu nous as réservé la vie. Et ce matin, de très tôt, nous sommes déjà là pour étudier ta parole. Bénis-nous en tant que des villes pécheurs. Nous avons grandement besoin de toi. Et les situations, Seigneur, eh bien, nous pouvons constamment à être à tes pieds pour te servir en esprit et en vérité. Mets ta main sur nous. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Mes frères et sœurs, nous étudions très belle leçon. Leçon 13 là, qui c'est dernière leçon pour trimestre ça, qui c'est Christ dans le creuset. Verset à mémoriser a dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus cria, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, le verset 45 à 46. Nous avons pile question que nous sommes capables de poser sur souffrance, certes, mais il faut nous comprendre, pour nous capables de sauver, il faut que nous passions dans ça et les souffrances. Et nous, Jésus lui-même, il était prêt pour nous. C'est ça que fait que nous allons regarder dans la vie de Jésus-Christ. Dans cette première année sur la terre, nous n'avons pas gagné de bonnes, belles histoires qui étaient attrayantes en tant que créateur et rédempteur. Et non. Pas de bonne histoire. C'est sûr et certain que ça t'est prouvé nous réellement que t'es rejeté Jésus ça. Que nous pralouen à partir lundi à, ils sont monde qui t'est méprisé et rejeté. Et y'a pas de grand pile valeur que t'es balé. Y'a pas de fait cadeau li. Y'a pas de balle importance. Et y'a même dit la fait guérison avec Belzéboul par rapport avec monde que t'es hier. Et nous pralouen à partir mardi ensemble. Ça qui t'est gagné rapport avec Gethsémané. Dans le jardin ça, Jésus t'est grand pile tension. Et de conflit ça qui t'a traversé, qui t'a qu'à tel point de dire à papa, s'il le faut, l'impossible même, eh bien, faut l'autre monde jouer une coupe ça parce que moi-même, je suis pas capable de supporter. C'est juste pour dire que, bagaille pas trop facile, yo pas parce que yo t'es planifié et puis yo t'as pas le fait dans sens facile et immédiat. Non, t'es grand pile contrariété psychologique, t'es grand pile contrariété spirituelle, mais Jésus t'a accepté pour l'été sacrifié que nous prenons la partie mercredi à Dieu s'est fait homme, les sacrifier, quitte ou dit Dieu, quitte ou dit Jésus, c'est Emmanuel, Dieu est avec nous, pas qu'il y a sorti de là. Donc, nous comprenons noir sur blanc, comment ça te y est. Dans la partie jeudi, nous parlons ensemble, le Dieu souffrant. Mes frères et sœurs, c'est pas un film, c'est pas un scénario, c'est pas un épisode, c'est pas un feuilleton. Ça qui a un rapport avec la mort et la souffrance et la calamité que nous avons traversé sur la terre, bagaille ça y a pas qu'un jouet là-dedans. Et dans la partie jeudi, Noé, c'est le Dieu souffrant. Et c'est une insulte en tant que créateur, rédempteur, sauveur. Il fait des créatures qui provoquent nos situations côté libéral. Comme si, pas capable de dire puni, mais libéral subit des atrocités envers même ces créatures. Donc, c'est comme si. Si on maman ta gon petit et puis li gon accroche et qui rive là avec les pour petit ça comme si a bat li a maltraité la dou li regrette li te fait petit ça mais c'est même gens tout bon Dieu papa le regrette parce que li omniscient li surpasse tout petit problème nou yo mais en quelque sorte ça t'est arrivé jardin d'Eden non et ça qui a passé à nos jours là bagay ça yo pas jamais réalisé encore. Yo pape jambe gon baga qui pral provoquer pour nous jouer une petite leçon qui a parlé de le Dieu crucifié, le Dieu souffrant. Ce sont des insultes. Le Dieu crucifié, le Dieu souffrant. Ce sont des insultes. C'est parce que l'homme, eh bien, il toujours prend à la légère des engagements sacrés qui causent. Que ça qui arrive dans le niveau que le rivière. Nous souhaitons que nous ne prenions pas le son en tant qu'on filme, en tant qu'on joue. C'est presque pour nous une honte. C'est presque pour nous un bagage qui est supposé faire nous triste. C'est genre de propos. Je suppose à attrister nous parce que ce n'est pas belle, ce n'est pas joli pour nous continuer à vivre. Genre de vie ça.
pendant que nous mettons créateur dans une situation côté c'est parce que Dieu les créateurs les rédempteurs les compte toute bagaille qui fait les pas échouer mais tu as une possibilité pour t'a échouer donc nous pas ouais dans monde d'a vivre là quel que soit gens ça y est n'a toujours une souffrance a toujours une souffrance et en tant que créature nous nous déchus donc destin nous livine à deux voies yon voit la vie éternelle yon voit la mort éternelle donc la souffrance est au milieu donc ça cause que n'a toujours nos situations pour jusqu'à ce que nous arrivions sauvés et yon ba nous verset acte 14 verset 22 Philippiens 1 verset 29 de Timothée 3 verset 13 tout ça a un rapport à monde cap marcher avec mon Dieu il a persécuté il a souffri quand même comme si m'ta dit à cause de péché l'homme pas une créature qui capable au grand jamais dit que au pas souffrir parce que souffrance là il vient arriver il vient rentrer dans mode de vie être humain c'est ça que fait nous conjoindre tout type de comportement la caille nous qui gain rapport avec souffrance comme si nous pas souffrir nous pas à l'aise mais m'a dit ça m'pas souhaiter gain monde qui froissé même pour gain fille pour ta rentrer dans comme si dans relation sexuelle avec yo si comme si vous pas faire souffrir yo pas d'accord pour rentrer avec yo et gain moun cap bien manger cap bien boire les songer souffrance il crier comme si souffrance son souvenir pour les tarin mais revivre quelques moments encore là-dedans ou pas dire gain qui pas aimer souffrance retirer ça dans l'espoir gain moun qui tellement aimer souffrance que si yon jour au passé ou pas souffrir yo pas gon bagay qui fait yo pleurer ou yo pas attrister yo pas sentir yo bien à l'aise yo provoque un bagage pour qui fait au mal à l'aise en sorte que mes frères et sœurs vie nous les vie conditionnée entre la souffrance et le bonheur et la joie donc faut nous capable ou est si t'es capable au moins pas qui ton souffrance venir pour par le péché qui ton souffrance venir comme ça oui par le péché à pas chercher et donc souffrance là il y a deux choses que nous capable garder dans l'esprit ouais. Mais au plus fort de nos souffrances il y a deux bagages nous capables de garder dans l'esprit dans tout ça n'ab survu là. Premièrement, Christ Seigneur nous, et bien il connaît souffrance yo et puis mal passé nous que nous pas jamais connaît souffrance là quoi. Et bien son souffrance que c'est seulement lui même qui était capable botel. Douleur ça tout c'est lui même qui était chargé lui selon Isaïe 53 le verset 4. Et individuellement nous capables souffrir, mais souffrance Jésus a même le quelque soit agent ça est pas quelqu'un qui t'a capable joindre parce que lui-même il pas de jambe de péché il pas de jambe d'habitude avec péché mais il vient vivre parmi les pécheurs pour lui venir souffrir pour l'homme dans une situation que lui-même il pas comme si connaît et il va vivre lui donc ça t'est vraiment paraître un peu difficile et deuxièmement quand n'a souffrir nous pas gain droit oublier conséquence souffrance que Jésus lui-même prend pour nous qui c'est une promesse qui a un rapport avec la vie éternelle. C'est ça que fait nous pour regarder dans Jean 10, le verset 28. Jean 10, verset 28 dit et clair, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Moi, bayo la vie éternelle. Ça lui dit là, c'est pas une phrase qui nous capable d'appliquer sur la terre. Son phrase qui a appliqué les rivières dans le ciel. La banole, la vie éternelle. Pas gagner du tout qui pral faire yon humain perdu encore. Je dis à la bon Dieu fini faire l'homme. Et puis Adam et Eve a fait petit. Yon arrivé gen moun. Bon Dieu gen petit li ta bien aimé sauvé qui pral perdu. Donc yon perdu. Gade texte la bien oui. Donc yon prend petit sa on amel. Mais bien l'homme fin sauvé pour le temps et pour l'éternité. Pas gagner qui pral fait. Que yon humain pral tomber pour l'arriver encore tomber dans même situation ça et perdu. Bon Dieu, pas quitter ça arriver encore. Moi avant, nous gon bagaille pour nous faire. Nous supposé prendre vie nous au sérieux. Romains 6 verset 23 qui ça dit. N'a prend environ quelques secondes pour nous capable chercher lui. Romains 6 verset 23, bon Dieu font déclaration encore qui belle la donne, il dit très clair et noir sur blanc car le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est-à-dire, ouais, là, on dit salaire, c'est-à-dire, au travail pour un bagage, au paye, ouais, le salaire du péché. Donc, au travail pour un bagage, au paye,
nous payons, là on parle de salaire. Pour autant quand tout est don gratuit ou pas travail pour lui. Ouais, comment bon Dieu grand. Ouais, comment bon Dieu remet nous, nous travaillons pour pécher. Ça veut dire. Il y a un qui pourrait poser une question, comment nous travaillons pour pécher? Oui. Les pour Adam, les pour Ève, tes péchés étaient réfléchis. Réflexion était fait yo et bien on t'a prouvé que li capable pécher. On t'a regardé bien rapide pour nous qui réflexion Ève t'a fait. Premier travail psychologique Ève t'a fait pour arriver pécher, elle t'a dit la vie la femme vit que l'arbre était bon à manger. Li réfléchit, li ouais abla pral bon pour le manger et puis li agréable à la vue. Donc il t'a observé li et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc à Ève t'a fait un travail psychologique, il t'a travaillé. Quel que soit Jean voulait comprendre ça, la Bible provoquait l'esprit du travail et il provoquait le salaire comme eh bien le fruit du travail qui est le péché ou travail pour péché. Vous saisissez ça. Le Satan fin parler avec Ève, Ève réfléchit. Li réfléchit. Réflexion yo provoqué li fait un travail psychologique. En d'accord que gen moun ki psychologue qui travaille dans domaine nan. Donc gen travail psychologique. Li font travail. Mais ça le travail que tu fais à ses péchés. Pour autant, côté nous pral faire comparaison pour nous prouver que bon travail vrai, qui sont fait pour capable la vie éternelle? Personne. Ou pas rien fait pour la vie éternelle. C'est un don gratuit. D'ailleurs, c'est Jésus qui planifie depuis dans le ciel. Il dit, mais qui ça l'a vu faire? Maintenant, pour l'homme, quoi dans lui? Mais quoi à son bagage qui pas quoi pas quoi ça pas contre travail là-dedans? Non. Quoi à son bagage contre travail? Et en plus, c'est pas parce qu'on croit qu'il faut sauver, mais c'est parce qu'on déjà sauvé qu'il faut pas le croire. Bon, je finis par là. C'est pas parce qu'on croit qu'il faut sauver, mais c'est parce qu'on déjà sauvé qu'il faut capable venir. Quoi? Donc sauver à gain temps là déjà et puisque gain temps sauvé maintenant on vient capable quoi dans salut ya. Maintenant on est capable de sauver pour le temps et pour l'éternité. Nous allons regarder pour titre 1er verset 2. Titre 1er verset 2 dit et lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Donc sauver à son bagage que bon Dieu planifié pour nous et heureusement pour nous bon Dieu pas qu'on baille menti. Mes frères et sœurs, la Bible pas n'en jouer avec nous. La Bible c'est parole sérieux la parler. On a regardé qui ça qui dit encore dans 1 Jean 1er le verset 25. 1 Jean 1er. Alors 1 Jean 2, je m'excuse, verset 25 dit et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Maintenant, est-ce que nous avons parlé du travail? Pas de monde qui travaille pour ça. C'est un bagage qui est gratuit que lié. Donc, quelle que soit la souffrance nous, que nous vivons ici-bas, grâce avec Jésus-Christ, grâce avec ça qu'il fait pour nous, il porte châtiment péché nous, grâce avec ça qu'il prévoit pour nous dans l'évangile là, eh bien, nous jouons avec foi nous. Par la grâce, nous sommes capables de bénéficier de la vie éternelle. Donc, nous ne sommes pas capables de contester quelque chose en Jésus-Christ si ce n'est que c'est un don que nous faisons. Maintenant, nous connaissons que bon Dieu fait nos promesses, que nous sommes capables de sauver par la souffrance que nous te prend pour nous. Et nous très clair, quelle que soit la déception que nous avons subi sous terre, quel que soit ça qui est arrivé sous terre, nous pas gain pour nous mettre dans la tête nous que nous pas sauver. Au contraire, nous allons à la promesse. Que grâce à ce que Jésus a fait, grâce à la plénitude de sa parfaite et son sacrifice parfait, notre existence ici-bas, faire de douleur, de déception, de deuil, n'a jamais qu'un instant, un éclair qui apparaît puis disparaît aussitôt. Contrairement à l'éternité qui nous attend, une éternité dans un nouveau ciel et une nouvelle terre, une éternité sans péché, sans souffrance et sans mort. Et tout cela nous est promis à assurer uniquement grâce à Christ et au creuset par lequel il a passé qu'un jour, bientôt, il puisse voir. Donc, mes frères et sœurs, pas gain sorti de là. C'est ça Jésus fait pour nous, qui fait nous capables de sauver, que le Seigneur vous bénisse. À nous faire merci pour nous capables de prier. Céleste Père béni, nous te remercions parce qu'on remet nous en pile.
Pardonnez péché, nous faites du bien à notre âme. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous prions concernant Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen.